Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo test de Serious Sam 2, donc un jeu sorti sur PC, édité par 2K Games et développé par Crow Team. C'est sorti en France le 14 octobre 2005 et aujourd'hui, on est en mode coopération avec Bruce. Donc, c'est le jeu est jouable sur internet. Alors là, Bruce qui incarne un homosexuel noir. Funky boy! Qui est dans son propre rôle, quasiment. Et ouais. Alors on va avancer. Donc le but c'est simple, c'est un jeu comme comment il s'appelle le jeu qui est sorti il y a pas longtemps là où tu désingues tout, hein? Bulletstorm. Ah, c'est comme Bulletstorm, vous devez tout désinguer. Et moi je l'aime bien parce que les doublages c'est Bruce Willis, donc on a c'est des hauts doublages. Regardez là, il y a des clowns qui font sur nous et les clowns ils ont des trucs empoisonnés. Bref, ce jeu c'est vraiment un jeu what the fuck, un peu comme Duck Nukem. Il se passe vraiment n'importe quoi, il y a beaucoup d'humour, énormément d'humour, et c'est ça qui est vraiment plaisant. En plus graphiquement, il date de 2005, le jeu il a pas vraiment vieilli, il est encore très beau, hein. Il y a un rendu HDR, même pour le jeu alors qu'il est sorti en 2005. T'es où Bruce? Là, fais gaffe, c'est un labyrinthe. Hein. Oh putain! Oh putain, pas ces insectes! Ah bah oui, et le jeu est assez gore aussi. Hein. Ça je l'ai peut-être pas dit encore, mais le jeu est vraiment gore. Alors là, on va chercher notre ami Bruce qui est je sais pas où. En fait, je lag et t'es parti sans moi. Ah, ok. Il y a des clowns, fais gaffe, hein. Des clowns avec ouais, des explosifs. C'est une sorte de labyrinthe, là. Ouais. Donc, le jeu, il a un très bel effet de lumière. Et là, j'ai pris un ce niveau parce qu'il est très agréable graphiquement. C'est un peu conte de fées, un peu à la Cendrillon. On est dans un genre de château. Et il y aura énormément de niveaux qui seront jouables en coopération, online ou en LAN. Moi j'ai fini ce jeu en LAN tout d'abord avec un ami. Et là, je leur découvre un peu parce qu'on finit par oublier. T'es mort? On finit par oublier avec le temps le jeu, comment il est. Il y a beaucoup d'humour. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a aussi les armes qui sont assez délirantes. Putain, vous voyez, j'ai failli crever avec le clown là. Il y a plein de clowns partout. Putain, il y a plein de... Oh, je suis mort. Tu fais quoi, Bruce? Ah, t'es là? J'avance. Fais gaffe, il y a beaucoup de clowns explosifs. Hein. Ouais, c'est je connais pas le niveau. Ouais. Et les clowns explosifs, c'est vraiment casse-couille. Putain, il y en a un là-bas. Hop. Donc, en général, le fusil à pompe c'est le meilleur. Enfin, l'arme que j'ai là elle est très bonne. Il faut aller très près, hein, bien sûr, pour viser. Sinon, ça sert à rien. C'est par là. Hop. Voilà. Hop. Bingo. Oh putain. Ah si, il m'a explosé presque dans la gueule. Fais gaffe. Ça sort vraiment de partout. Ouais. C'est un peu infernal. Il y a toujours des vagues de monstres. Moi, ce qui m'avait marqué le plus dans le jeu, c'était les vagues de monstres successifs. C'est-à-dire, il y en avait vraiment énormément. Ça n'arrêtait pas de venir. C'est pour ça qu'en général, faut jouer en mode normal au départ. Hein. Même si mon pote, lui, il y jouait en mode hardcore, il finissait les doigts dans le nez, ce jeu. Mais au départ, faut y jouer en mode normal parce que, au fur et à mesure des niveaux, vous serez amené de plus en plus à combattre des centaines d'ennemis à l'écran. C'était à l'époque où il y avait des jeux comme Pen, des trucs comme ça sur PC où il y avait des shooters où vous faisiez que vous shootez des ennemis. Et il y avait de l'humour et il y avait une certaine dose de gore et c'était vraiment agréable à jouer. Donc là tu me suis négro. Ouais. Y'a un gars. Alors là, on a le droit des insectes, comme d'hab. Putain. Oh, les insectes mais font eux, mal. C'est, Quoi? C'est les monstres qui font laguer. À chaque fois que je les vois, je t'entends mal quoi. Je lag. Faut changer de PC en mousse hein. Là. Alors qu'est-ce qui... Ah c'était à tirer sur la porte. Ça sert à rien de tirer sur la porte. Par là. Alors là je récupère des CD. A mon avis il faut récupérer des CD pour ouvrir une porte. On a peut-être pas suivi le scénario. Ouais. Je sais pas. Personnellement je trouve le level design des niveaux qu'on a fait avant pas très recherché, je sais pas. Pas très recherché. Bah disons que il change énormément sur les niveaux. C'est très arène je trouve, je sais pas, c'est spécial. Ah peut-être, ouais, moi ça me paraît pas énormément arène, mais ouais ça se veut mode arène, ouais, c'est peut-être. J'ai pas fait très attention, parce que je suis assez fan du jeu, mais ouais peut-être, en effet. Ouais c'est un FPS très typé arcade mais bon. Bah ouais, bah je trouve c'est pas sûr. Qu'il, t'as encore un CD. Par rapport à tu vois, des jeux comme Black Ops, je pense pas qu'il apporte grand chose. Arrête tes conneries, arrête de troll putain. Vas-y, non, arrête, parce qu'on va dire encore « Oh, il y a des kikous qui testent Serious Sam 2, quoi. » Par rapport à la vidéo que j'avais faite, hein, de Portal 2, où tu disais « Ouais, Call of Duty Black Ops, ça surpasse Portal 2. » Ouais, c'était de l'ironie, hein.
quoi, ouais. C'est dragé. Mais ils comprennent pas trop, tu sais, y'en a. Alors, putain, mais alors c'est pas ici la porte, elle est où la porte? Qu'est-ce qui s'est ouvert? Attends, appuie sur tabulation, sinon y'a l'objectif. Ouais, y'a. Ah, j'avais pas fait attention. Donc il y a vraiment une difficulté assez relevée pour ce jeu. Vous pourrez jouer en mode facile, normal, et il y aura deux autres niveaux de difficulté un peu plus élevés. Et ouais, le challenge est là pour les joueurs PC. On dit toujours que sur PC les jeux sont plus difficiles. Ouais, le challenge est toujours plus relevé sur PC. Ah ça y est, on va arriver vers le château là. Faut savoir aussi qu'à la base... Ah putain, tu m'as enfermé là. Ah non, c'est bon. Faut savoir qu'à la base, on est censé avoir que 3 vies par partie, et nous on en a mis 10 quoi. Ouais, sinon on serait quasiment mort. Oh putain, non, pas ces rugbyman. J'ai l'impression qu'ils sont plus costauds. Ah, les rugbyman là, ils nous font. Enfin, les footballeurs américains, ils nous font super mal. Mais y'a moins d'ennemis que d'habitude, j'ai l'impression, c'est bizarre. Ouais, parce que on fait pas très attention, je sais pas. J'espère qu'on va tomber sur un boss par contre. Non, ils sont plus résistants les ennemis, tout simplement. Là j'ai essayé un truc, regarde, eux on les tue en deux coups avant. Ils sont plus résistants. Alors on va essayer ça. Alors les zombies, eux ils tombent par terre, faut les retuer après. Hop. Oh, j'ai une grosse mitrailleuse lourde. Oh mec, regarde tes armes. T'as une mitrailleuse lourde. C'est sulfateuse sympa. Ouais, sulfateuse vraiment sympa. Ouais. Je vous dis, les armes dans le vraiment... jeu elles sont vraiment fun quoi. Ouais, elles sont défoulantes les armes. Vie supplémentaire avec la petite voix. Sérieux Sam? Ça c'est quand vous avez la grosse bombe. Les bombes qui sont à chercher, les grosses bombes en général. Elles sont très rares. Ouais. Ah y'a un nain là. Ça raconte à quelque chose lui ou... Je sais pas. Ah il a la clé. Ah, bah, il voilà. A la clé. Le nain m'a donné la clé. Ah bah ça doit être un nain Blanche-Neige. Tu sais c'est un peu typé un peu Shrek. Je crois qu'ils sont un ouais, peu... Ouais c'est typé. Un peu Shrek et Alice au Pays des Merveilles. Ouais. Ça sert assez énormément. Ah là la horde va arriver. Oh putain, alors là. Oh putain, ils font mal les insectes. Il y a toujours des hordes de ouf. Je crois que je vais prendre. Voilà. Je vais pas me faire chier pour les insectes. Putain. Fais gaffe, ils butent les nains. J'aurais jamais cru dire ça un jour, mais. Ils sont résistants les insectes. Moi j'utilise le lance-roquette. Tu peux utiliser le lance-roquette. Ah, putain. Hop. Putain, ils me font mal lui. Hop. Et on s'est débarrassé des insectes. Alors qu'est-ce qui va apparaître maintenant? Des munitions vraisemblablement pour la mitrailleuse lourde. Profites-en, il y a des munitions pour la mitrailleuse lourde. Balle plus 100. Il y a des choses qui sont quand même destructibles dans le décor, on l'a pas souligné. Il y a pas mal de petits bonus, notamment pour la santé et les armures. Et comme on peut le voir en mode coopération, chacun aura ses propres munitions. C'est-à-dire, si votre coéquipier prend les munitions, elles resteront pour vous aussi. Oh putain, t'as failli me buter. Regarde, c'est un mini concert. Attends, est-ce qu'on peut taper? Alors, il y a toujours plein de petits bonus. Genre un mini foot avec. C'était quoi? Avec des poulets. Oh putain, c'est quoi ces machins? Ah, j'ai pas fait attention. Ça fait mal ça. Oh la vache! Ah, c'est des trucs comme dans Ulysse. Je sais plus comment ça s'appelle. Des harpies. Ah, c'est l'harpie. Voilà, ah, saloperie va. Oh là là, elles m'ont buté, mec. Là je suis assez loin donc. Les harpies sont fous super mal. Le bestiaire est vraiment varié hein. Entre chaque niveau c'est jamais trop les mêmes ennemis hein. Par exemple là les harpies on les avait jamais vus avant. Il y aura aussi un monde pour les sorcières. Il y aura pas mal de boss aussi. Des boss qui seront gigantesques d'ailleurs, qui prendront tout l'écran en général. Ça ils sont pas emmerdés hein. Ils sont pas emmerdés à faire des petits boss. Alors dans ce jeu, ça a peu d'importance d'économiser les munitions. Hein. Faut y aller comme un porc quand vous utilisez une arme. Là on voit que je fais ça non-stop. Voilà. J'ai pas fait attention.
Hop. Voilà, on s'en est débarrassé. Ah putain. Et voilà. On les a tous tués. Encore un. Ah ouais, encore deux. Ah non. Ça c'était des feuilles. Les petits effets. Regardez, des feuilles qui tombent, ça c'est assez rare dans les jeux. Et là on peut trouver ça. Alors là ça va être le moment. Lance-roquette. Donc à mon avis les ennemis vont être un peu plus gros là. Munition de lance-roquette, donc on va tout choper. Truc pour la vie. Tu vois, ça pour moi c'est une arène. On sort pas, on se tape des hordes et voilà quoi. Oh putain. Oh les gros monstres. Et bing. Oh putain, nique les clowns, nique les clowns, nique les clowns. C'est bon, je te cours. Ah bah t'es mort. La super couverture. Vive la couverture, regarde-moi comment je vais m'en débarrasser rapidement. Ah, je me cache derrière les nains. Ils balancent des ballons. Les footballeurs américains, ils font ça un peu moins vite maintenant. Hop. On pourrait aussi utiliser des véhicules. Ça, on en a peut-être pas parlé. Des véhicules durant le jeu, des voitures, des vaisseaux des spatiaux, des motos. C'est vraiment assez bien. Des petites voitures aussi. Hop. Utilise la mitrailleuse quand t'as les clones, hein. Ça sera plus rapide. J'ai la sulfateuse. Oh, les... oh là là, tout ce qui arrive là. Oh là là, je crois qu'on en rachèpera pas, mec. Il faut d'abord essayer de faire les clones. Ah, mais l'ennemi rouge, oh, le nain est mort. Il y en a un qui est Diablo, mort. Que dans Doom. Oh, le deuxième nain est mort. Ah. Bon, alors là, je vais utiliser le lance-roquette. Ah, t'as gagné une vie supplémentaire grâce à moi. Non, grâce à moi, s'il te plaît. Fils de pute. On peut détruire les armes, comme vous pouvez voir à l'écran. La durée de vie du jeu, bah, il a une durée de vie assez conséquente, hein, ça j'en ai peut-être pas parlé. Ah, le nombre de niveaux est... est impressionnant. Il faut vous tenir. Surtout si vous jouez en multijoueur. Avec les niveaux de difficulté qui sont toujours différents. Et il y a dans chaque niveau, bah, y a pas mal de petits secrets, des mini-jeux qui sont cachés, des bonus, des trucs comme ça. Donc faut refaire les niveaux pour redécouvrir les bonus qu'il y a du coup. Oh, le géant. Ouais, il est vraiment géant celui du milieu. Vis celui du milieu, mec, il est géant le boss. T'inquiète, je gère. Hop. Les nains ils se font dégommer. Hop. Allez, tu vas crever. Et voilà. Bon, on a tout niqué, hein. Tranquille, comme d'hab. Ça y est, c'est fini. Ou il y a un gros boss encore plus gros. Ça a l'air d'être fini. Fin du niveau. On va chasser le dragon. Ah, on a notre petit perroquet qu'on peut envoyer. Alors là, des nouveaux boss, comme d'hab, des araignées. Fais gaffe, hein, moi j'ai eu qu'un truc. Ah, ça arrive dès le départ. Alors là, vous voyez les petites hordes. Oh putain, il y a une araignée à côté de moi. Crève-toi, elle est morte. Dégage. Ah, t'as des harpies qui arrivent. Putain, c'est chiant ça. Non, c'est moins épargne. Alors, comment on avance maintenant? C'est par où? Bon, ça vraiment, on n'avait pas fini. Crevez, 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 crevez. Ah, y a de la flotte là-bas. Je vais aller me cacher dans l'eau. Je vais laisser notre ami Bruce. Putain, ça l'a pris de harpie là. Ah oh, putain, je me suis fait bouter. Il te reste combien de vie toi? 10. Ah oh, merde, j'en ai plus que 9. Je suis mort une fois. Ça, t'es pas mort souvent par rapport à moi. Putain, je me suis fait toucher par quoi là? Armure, allez hop. C'est
Ça, les harpies, c'est vraiment des saloperies, hein. Hop. Utilise le fusil à pompe. Hop. Hop. C'est bon, il y en a plus. Ah bah maintenant c'est des gros machins qui arrivent. Oh comme t'es mort, oh comme t'es mort. Non, je suis pas mort. Non mais je parlais du gros boss. Ah ok. Et voilà. Tu viens? Ah j'arrive. Je suis en train de faire les boules. Il m'arrive quoi là? Regarde comment je les ai poussés les boules. Comment je fais pour moi là? Quoi? T'es mort? Non c'est bon mais je sais pas. Ah, il y a des perroquets encore. Il y avait aucun ennemi, j'ai crevé. Ah. Derrière toi. Oh putain. Et voilà, je l'ai détruit. Ah, c'est parti. On avance. J'espère qu'on pourra aller au boss. Je le pense pas. Parce que le boss, c'est ce qu'il y a de plus intéressant ici. C'est un dragon en fait. Un dragon qui est vraiment très marrant. D'ailleurs, ça a été bien pompé sur Shrek par rapport au dragon. Il y a un véhicule là-bas, je sais pas si on peut le prendre. Il y a un truc qui balançait des machins. Je crois. Je sais pas si tu vois. Il y a des véhicules qu'on peut prendre ici. Attends. Ah putain. Oh là là, je veux. C'est quoi? Oh non, tu m'as oublié. Quoi? T'es parti sur. Ah, mais on est sur le véhicule, super. Ah, ça y est, ça t'a remonté? Ouais. Attends, essaye de niquer les ennemis en bas. Ah, c'est excellent ça, je trouve. De toute façon, il peut rien contre. Non, après le fond, c'est un vieux JPEG. C'est un genre de mini pont. Alors là, on est sur un véhicule. Ouh, on va passer au-dessus d'un coup. Attends. Ouais. Je suis sûr qu'il va y avoir des harpies. Tiens, regarde, il y a des trucs qui arrivent. Ils sont avec nous, les vaisseaux? Ah non, ils sont pas avec nous. Ah, tiens dessus. Ah, tu peux tirer sur les montgolfières, ça. Ouais, attends, il y a des hélicos qui arrivent. Si t'as des perroquets, c'est le moment. Hein. Et voilà, je me suis fait deux hélicos d'un coup. Oh putain, je crois que j'ai des perroquets. 7. 7. Ils sont où les machins? Oh putain, ils vont trop vite. Donc, le perroquet qui va dans le vent. Normalement, ils suivent la cible donc. Ah, j'ai 9 perroquets là. Putain, ils sont intuables ces machins ou quoi? Oh là là, je vais crever. Bing. Putain, je suis mort. Y'a de la vie, mec. Hop. Mais là, je suis mort, donc ça sert à rien que je prenne de la vie. Ah, il faudrait une DCA là. Je comprends pas qu'on avance pas. Hein. J'ai l'impression de faire du sur place là. C'est parce que c'est très long, c'est pour ça. Ah si on avance, mais vraiment de temps quoi. Putain mes perroquets se sont trop choc. C'est un peu nul le perroquet hein, tu m'excuseras. Et hop, voilà, on y a tué un. Oh putain. Sharpie. Harpie, harpie. DCA, 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 DCA. Putain, les os, c'est de la saloperie, on n'arrive pas à les avoir, les trucs rapides. Tac. Ah, oh, y'en a un qui s'est écrasé contre la montagne. Ah, j'ai vu ça. Les soldats. Ok. Fais gaffe là. Espèce de diable. Oh là, T-Rex. Comment pas jouer à ça là. Ouais, mais ça y était déjà à d'autres niveaux, t'inquiète. Oh là là là, t'as vu? Allez, vite. Tu peux descendre là, non? Putain, j'ai plus que 7 vies. J'en ai perdu un max, moi. Ouais, moi aussi. Ah, faut attendre un peu hein, avant de descendre. La sécurité avant tout, on ne le dira jamais assez. Hein. C'est parti. Ça
Ça y est, t'es déjà descendu? Ah bon, moi je prends les petits machins bonus. Bien joué, t'as tiré ça dans le vide. Alors là, je suis full au niveau vie. Vie plein. J'espère qu'on n'a pas pris tout ça pour rien. Allez, on avance. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau par ici? Tac, il y en a un mort, un diable. Hop, là-haut. Et vie supplémentaire pour nous. Et voilà. Je prends une petite pilule. Attention, merde. Regarde, je l'ai pas vu. J'entends des raptors ou c'est moi? Armure 10. Ah, c'est l'harpie, putain, il y a l'harpie encore. Oh la vache. Saloperie. Putain, on a tout pris comme des cons, la vie, tout ça, on aurait peut-être pas dû la prendre. Oh, la boule, non, pas la boule. Oh putain de harpie, c'est vraiment des saletés, ça c'est merde. Toi t'es caché derrière le rocher là-bas. Les munitions hein, ça part vraiment à mort. Je vais peut-être changer d'arme. Je vais crever. Ah putain, je suis mort. Oh, tyrannosaure, tyrannosaure. Oh là là, c'est quoi ça? C'est bon, je l'ai buté. Pas sérieux. Putain, j'ai évité les boules. Je crois que c'est fini. Putain, on a fait. T'as vu, on est revenu en arrière. Tellement peureux. Il me reste un de vie, mec. Je vais aller chercher un truc de soin. Je vais aller chercher un truc de soin là-bas. Ouais, j'ai 11 de vie maintenant. Bien, wesh. Y a plus de vie, y a plus rien là. Ça a l'air d'être devenu un peu plus tranquille par ici. Attention, soldat. C'est quoi ces trucs? Ouais, il faut aller sur le terrain là. Et voilà. Ouh là là là, je vais prendre un méga truc là. Hop, niveau vie. Et on remonte sur le petit nain. Bon, je t'attends. Hein. T'es là? Ouais, ouais, en dessous là. Je prends le téléporteur et ça va me mettre sur l'aéroplane. Voilà. Là, on va arriver sur une petite île. Voilà. Mais
pourquoi on refait le même truc, je n'ai pas compris là. Mais il y a plusieurs passages. Il n'y en a pas qu'un. Tout l'intérêt du jeu. Alors le nain, tu te dépêches. Non, je vais essayer de buter le nain. Putain, il y a encore le même machin. Alors, je pense qu'on va pas tarder à se quitter là-dessus. Je vais d'abord essayer de buter l'hélico. Je l'ai eu, je prends le 7. Le perroquet, bing. Le perroquet l'a tué. Hop, on peut reprendre de la vie sur la plateforme. Il y a de la vie qui apparaît quand même, c'est un peu dur. Attention, Arki qui arrive. Mais qu'est-ce qui me tire des roquettes dessus? Hop, une Arki tuée. Deux. Putain, qu'est-ce qui me tire des roquettes là? Ah bah c'est toi. Allez hop. Bingo. Putain, je te tire dessus. Merde, tu fais chier, j'ai tout balancé sur toi. T'as rien senti? Non, il me reste 8 de vie donc je vais crever là. Autant sauter dans le vide, je peux pas. Envoyer tous mes perroquets avant de crever. Et voilà. Bon, je suis mort, c'est pas trop grave. Ah voilà, c'est la galère là. On atterrit là ou oui, merde. Et ils partent un peu n'importe nawak les perroquets. Hop, va là-bas. Va là-bas. T'as tellement de cibles en tant que. Ouais. Ils savent pas trop où aller quoi. Allez, on bute le tyrannosaure hein, s'il te plaît. On va essayer. Allez. J'ai déjà plus de vie quoi. Quoi? Oh, t'as déjà tué le tyrannosaure, connard! Je voulais mettre ça sur place. Putain. Allez, on va pouvoir atterrir. Atterrissons. Ça, c'est vraiment précaire. Là. Ah, c'est vraiment misérable. L'avion qu'on utilise là. Ça, c'est fait par un mec si tu veux. Forêt de nord. Ah, c'est circulaire, je l'utilise pas souvent. Putain, je vais tronçonner le cul. Eh bien là, t'as remarqué que le seul blague qu'ils ont fait dans le jeu, ils l'ont fait homosexuel. Ah bah. Comme quoi, hein, on catégorise déjà une communauté, quoi. Putain. Bon allez, on va se quitter là-dessus. On vous dit bye bye et à bientôt. Salut à tous.